environnement professionnel, je pense que il faut contribuer à ça. Il faut aussi voir qu'est-ce qui se fait dans sa ville, qu'est-ce qui se fait au niveau du web, au niveau du numérique, au niveau des communications, du marketing. Et le WAG, ben, c'est un peu tout ça. J'avais envie de m'impliquer dans ma communauté. En fait, j'avais envie d'intégrer cette communauté. Donc, je voulais m'impliquer cette année dans le WAC. Je m'implique dans le WAC parce que l'énergie et la passion des bénévoles me motivent un maximum. Ça me permet de faire un contact avec l'entreprise privée pour voir ce qui se passe dans les boîtes et aussi voir les nouveaux sujets. Allier vraiment ce qu'on voit à l'école et aussi sur le marché du travail et avec les conférenciers qu'on fait venir aussi. Je suis un passionné du numérique et j'ai envie de faire rayonner le numérique dans la ville de Québec. Pour l'histoire d'amour donc, qui s'est créée avec, avec cet événement, pour l'apprentissage aussi à travers le bénévolat et puis pour la découverte du web sans cesse, encore et toujours, pendant l'événement. Faire en sorte que d'autres communautés puissent avoir l'accès à la communauté de Québec puis qu'eux nous montrent vraiment c'est quoi leur expertise dans le domaine du web. Mes deux passions sont l'événementiel puis le numérique, fait que je trouvais que c'était un match parfait. Il fallait que j'embarque dans cet univers-là. Parce que j'aime les gens. J'aime les gens du web à Québec. C'est des beaux gens. Et surtout à cause des 5 à 7. Le WAC, pourquoi je m'implique auprès du WAC? C'est tout simplement parce que c'est le WAC qui m'a permis d'arriver ici au Québec puis de m'insérer dans le domaine du numérique et d'avoir un emploi.